estou vindo visitar o Gilha, que é um senhor que começou a vir à igreja através da nossa reunião de estudo da Bíblia aqui nessa cidade de São João de Luz, que fica no litoral do País Basco. E ele tem muitas perguntas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre Jesus. Les remparts sont en ruine, enfin la ville n'existe plus, hein, parce qu'une ville sans remparts à cette époque elle n'existe plus, quoi. Sans protection, après, 70 ans après, ils vont revenir pour construire les remparts, pour reconstruire sous Néhémie. Et en fait, c'est intéressant de voir que lui ne perd pas l'espoir. Mais il a une chose qui est très importante. C'est une image, quand Jésus a dit, je retirerai Jérusalem dans 23 jours. Je bâtirai ce temple, c'est une image de son corps. Ah, son corps. Il parlait de la résurrection. Ah, d'accord. Ouais. C'est expliqué. Mais tu vois, une confession qui est très importante et qu'on trouve, on a trouvé au verset 16 du chapitre 5, « Malheur à nous parce que nous avons péché. » C'est dans quoi ça ? Lamentation. Ah, 5-16. « La couronne de notre tête est tombée. » Ah, je pensais que tu étais resté en lamentation. Ah, j'ai fait ça. Non, lamentation, c'est vers le milieu. Ah, saindo do País Basco, que é a região onde eu moro, nós viemos para a região vizinha, que se chama Lelanda. E aqui nós estamos na cidade de Biscarrosa, onde tem uma igreja que há 13 anos está sem pastor. Poxa, pensei, não tem condição. Vou mostrar para vocês essa igreja. Voilà, notre église de Biscarrosa existe depuis 1975. Le bâtiment a été construit en 1984 et il répondait à un besoin. À l'époque, parce que nous entrions dans une vision qui était celle d'évangéliser toute la région, tous les villages de la région. Et cette petite église qui a commencé à même pas une dizaine de membres s'est vite retrouvée avec 10, 20, 30, 40 membres, dont la nécessité de ce bâtiment. Depuis, il y a eu quelques séismes dans l'église qui ont fait que beaucoup de gens sont partis, plusieurs pasteurs sont passés, et depuis 13 ans, nous nous sommes retrouvés sans pasteur, mais avec ce défi de continuer le travail de l'église et de continuer d'évangéliser cette région que nous avons à cœur. Alors c'est vrai que je parlais de défi, ça n'est pas tellement un défi, puisque le fait d'être aujourd'hui sans pasteur, ce n'est pas un choix, hein, simplement une nécessité qui s'est présentée de reprendre, de continuer plutôt la vie de cette église, même sans pasteur. Depuis des centaines d'années, la France était chrétienne, catholique, protestante, toute l'histoire repose sur la chrétienté, qui peu à peu s'est dégradée. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, on peut dire à la France, mais vous avez mis Dieu à la porte. À telle enseigne que l'autre jour, je me promenais en voiture et j'ai pris deux autostoppeuses, des étudiantes qui rentraient chez elles. Je les ai prises pour les amener dans leur village. Et je leur ai posé purement et simplement la question, qu'est-ce que vous pensez de la chrétienté ou de la religion chrétienne chez les jeunes ? Et la réponse a été surprenante. La religion chrétienne en France est démodée. Elle ne nous intéresse plus. C'est ringard, comme on dit en France. C'était avant, ce n'est plus maintenant. On s'aperçoit que chacun fait une petite soupe personnelle d'une spiritualité qui leur va bien, mais ils ne veulent pas être disciplinés à une région. Ils ne veulent pas s'engager pour un Dieu. Ils veulent faire quelque chose qui leur va bien à eux personnellement. O que a gente faz o culto? Antes de começar, a gente toma um cafezinho, a gente conversa e eu vou convidar vocês para participar com a gente.
ces choses qui nous tenaient captifs. C'est comme disait mon ami cette semaine, vous avez trouvé un truc très puissant, j'ai quelque chose d'encore plus puissant que ça. Jésus est beaucoup plus puissant. Pensez à quelque chose dans votre tête qui vous tracasse, Jésus est plus puissant. Ce Christ crucifié, mort et ressuscité, nous amène en triomphe. Si vous lisez les Haïdis, elles descendent des confins de la Syrie pour arriver à Jérusalem. Et plus on entend qu'il est proche, plus on a peur. Mais maintenant, nous voyons un autre genre de marche. C'est le Christ qui avance, et nous avançons avec lui. Eu gostaria que vocês ficassem conhecendo uma pessoa muito importante para mim, aliás, a primeira pessoa da igreja que eu encontrei antes de vir para cá, o Jean-Marc Coutelier. Jean-Marc, raconte-nous comment l'église a commencé ici à Biarritz. C'est un travail qui a démarré il y a environ 10 ans, et l'impulsion a vraiment été donnée par un couple de missionnaires américains qui est arrivé dans la région avec l'envie d'aider des personnes à créer des églises maison. Et nous, ça correspondait vraiment à un projet qui nous tenait à cœur, de nous engager en famille, Brigitte, moi et les enfants, dans un travail pour lequel on pourrait être utile pour le Seigneur. Alors on a démarré avec eux dans cette pièce, ici, et très rapidement on a été rejoints par une, puis deux familles qui, elles aussi, avaient des enfants. Les enfants participaient au groupe de jeunes qu'on animait à cette époque-là. Et c'est surtout grâce à ce groupe de jeunes, finalement, que l'essentiel des adultes nous ont rejoints dès le départ. Qu'est-ce qui vous a motivé à cette recherche d'un pasteur? D'ailleurs, c'est par ce moyen-là qu'on se rencontrait dans un café à Paris. Depuis le début, dans l'église, on avait pris l'habitude de partager les responsabilités, mais il nous manquait vraiment un don pastoral. Par hasard divin, si on peut dire, à une réunion à laquelle on participait tous les deux, organisée par la Fédération Baptiste. Ça te paraît naturel qu'une église française travaille avec un pasteur brésilien? Pour ce qui nous concerne, alors il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Premièrement, nous sommes une église composée de personnes issues de nombreux pays différents, hein, des Allemands, des Australiens, des Américains, des Brésiliens. Au contraire, je dirais que ça aide à la cohésion de l'ensemble. Après, deuxième chose, ton français est excellent. Donc il n'y a pas de décalage, on se comprend très très bien. Je ne pense pas que la culture brésilienne soit si lointaine que ça de la culture française. On s'écoute, on se comprend bien aussi. Et puis, en tant que chrétien, c'est une grande famille. Um dos ministérios que está começando na nossa igreja é o Ministério de Teatro, e o Simeon é uma pessoa-chave desse ministério. E ele tem participado muito do avanço do Reino de Deus aqui no País Basco. Nós queremos servir na igreja, nós queremos ser engajados na igreja. Nós queremos que haja mais jovens que se levem para a igreja. Nós sabemos que, vous savez que dans l'église française, très peu de jeunes constituent l'assemblée. E pour ce faire, nous voulons être engagés, nous voulons être motivés pour faire des choses et réaliser des choses avec les jeunes dans l'église, pour les jeunes. Aujourd'hui, nous voulons réaliser que l'enjeu important, ce sont les jeunes, les enfants, faire des choses avec les enfants, être ensemble, pouvoir avancer ensemble dans l'église, comme une équipe. Être investi auprès d'eux, ça veut dire investir pour l'avenir, être investi d'une mission de la part du Seigneur, pouvoir les éduquer, les travailler avec eux, les enseigner. Déjà au berceau, ça commence. Et prendre conscience aussi que les parents ont une responsabilité dans l'enseignement des enfants. Mais nous sommes là, nous sommes avec eux, à leur côté, pour leur donner des bases du message biblique. Voilà, je suis en France auprès d'une église magnifique que j'ai rencontrée il y a quelque temps avec un pasteur originaire du Brésil
un homme avec un cœur généreux qui m'a ouvert les bras. Il faut savoir qu'il accueille toutes les personnes avec beaucoup d'amour. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans cette église, car il est capable de recevoir les personnes âgées, les personnes qui ont besoin de lui, les personnes qui ont des problèmes de santé. Et nous voyons son cœur généreux de Brésilien. Et voilà comment dans cette église baptiste actuellement, nous sommes en plein essor et en plein amour avec Dieu et avec Jésus. Donc nous remercions tout le pays brésilien de nous avoir donné ce pasteur, cet homme d'église magnifique qui est universel et plein d'amour. C'est venez en France, on a besoin de vous. Mais sachez qu'il faut être engagé. Sachez que ça sera dur, mais le Seigneur est par-dessus toute chose. Le Seigneur bénit, le Seigneur fortifie, le Seigneur encourage. Et notre prière aujourd'hui, et pour Biscarrosse et pour d'autres églises ici en France, c'est que des jeunes, des serviteurs de Dieu, pourquoi pas des frères du Brésil comme Junior qui est venu à Biscarrosse, à Biarritz, puissent avoir à cœur notre pays, nos églises, nos villages, et venir nous aider pour que l'Évangile puisse continuer à être annoncé dans ce pays. A gente tem ouvido falar do avivamento da igreja no Brasil. E imagino que essa igreja que está se avivando, crescendo, vai querer enviar missionários, inclusive aqui para a França. E eu espero que antes de enviar um missionário aqui para a França, esse missionário tenha consciência de que vindo para cá, ele vai precisar se formar, ele vai precisar falar bem a língua francesa, conhecer a história da França, conhecer a cultura, riquíssima cultura da França. Nós precisamos de missionários aqui, mas precisamos de missionários que estejam dispostos a passar tempo, a gastar tempo aqui, não vir somente como por alguns meses e voltar para o Brasil dizendo que foi missionário aqui na França. É preciso passar tempo, porque você não tem como conhecer a cultura, conhecer o país, conhecer o povo sem passar tempo. Moramos numa região que precisa de missionários. Venham para o País Basco, mas venham preparados, dispostos a gastar tempo aqui.